Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour un nouveau jeu, Oui médiéval. Il me manque, j'avais envie de l'acheter, puis là j'ai trouvé vraiment pas très cher, donc c'était l'occasion. On va commencer une nouvelle partie, c'est pas un jeu que je connais très très bien, j'ai joué un petit peu quand même. Bon, ouais, c'est quand même assez proche de RimWorld, hein. C'est les mêmes mécanismes, c'est un peu différent au niveau graphisme. Une vue aussi d'ensemble un peu différente, mais autrement on retrouve les mêmes mécanismes. Si vous avez joué à RimWorld, pas trop dépaysé. Mais bon, je suis pas un expert du jeu. Hein. Allez, on va faire une nouvelle partie. On va prendre, je pense, le mode standard, un peu pacifique. Et survie, bon, je suis peut-être pas encore au niveau. C'est déjà assez violent comme ça. Donc voilà, c'est là pour découvrir le jeu, les mécanismes à l'occasion. Alors il y a trois types de départ, nouvelle vie. Même recommandé pour le jeu. Voilà, donc là on a plusieurs personnes. Là c'est vraiment tout seul. Ça c'est personnalisé. Les bases. Hein. Alors, évidemment, il y a différentes cartes de map. Pourquoi pas. Blason. Hein. Alors, il y a différents types de cartes. Enfin, pour le démarrage, en fait. Le démarrage. Donc avec plus ou moins de ressources. Valet, je pense que c'est. Ça... De la carte petite. Ça aussi. La graine, ouais. Nickel. Alors comme ça en RimWorld, il faut choisir trois personnes avec des stats différentes. Le but c'est d'avoir quelque chose d'un peu équilibré là, ça me plaît pas trop, il y a le meilleur tireur il est 5. C'est quand même bien d'avoir au moins deux tireurs. On fait que les deux. Alors comme pareil, vous allez avoir des atouts particuliers en fonction des personnes. Travailleuse, pas. Yana est assurément occupée à travailler du matin au soir, elle n'a pas de vitesse. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Là, il y en a des trucs, la vache. Cannibale. Solide. Austère. Insensible. Comme en béton. Peut-être celle-là. On n'a pas un seul qui est bon au tir. Allez, on va randomiser un. De randomiser. Ah non, on peut randomiser. Ok. On peut pas avoir un tirage. Alors, il y en a 12. 12, 11. C'est pas mal ça. Construction 5. Personne qui aime vraiment ça. Les petites étoiles, c'est leur passion. Donc, faut leur faire. Ils vont progresser plus vite. Et puis, ils aiment bien faire ça. Donc, c'est bon pour le moral quand ils font ça. Ils aiment, c'est le même principe. Hein, que... Ouais, c'est juste un peu dommage pour le 5 en construction, mais bon. De dramatique, c'est pas si mal comme ça, il y a quand même des bonnes stats dans pas mal. Je pense qu'on va partir sur... Sympathique, séduisant, buveur. Hein. Ravissant, estomac en béton, cannibale. Ouais. Fatigue. Attrayante. Hein. Ah, il y a une stat disco.
Je me dis, tiens, c'est marrant. Quand j'avais fait les commerces, un peu de commerce, machin, d'échange sur partie, je me suis dit, tiens, il n'y a pas comme un remords d'histoire de meilleur marchandeur, mais si, il y a, j'ai pas vu quoi. Fonction de leur qualité. Voilà. Bon, il y a les prix. On a des meilleurs. Ouais, bon, ouais. Pour ça, donc on peut. Voilà, par contre, oui, on peut changer, personnaliser les noms déjà tout de suite. On peut changer les apparences aussi. Si on veut. Mais ouais, par contre, je sais pas si les stats ou. On peut changer aussi le. Allez, on part sur ça. Normal, nouvelle vie, valet, avec nos trois. Trois copains. Donc c'est vraiment sur plein de points très. Voilà, qu'on arrive dans une vallée, au plein doré, une rivière s'apportant au beau milieu. Pour Lewis, cela évoquait des récoltes abondantes, des chansons et le vin, un lieu où s'opposer, une patrie, une décision de baptiser. Ok, alors c'est parti. Donc, on vient arrive avec quelques chèvres, un petit peu de matos évidemment. On va faire un petit tour de la carte. Donc vous allez avoir un peu de minerai, d'argile, de choses qui traînent par terre. Pour le moment, on peut bloquer ou débloquer. Pareil, il va y avoir un peu de branchage qui traîne de base. Vous pouvez et de l'herbe, ça sert à faire du foin pour le bétail. Champi pour la boue. Les baies. Important. Vous allez pouvoir chasser aussi. Classique, hein. Donc là, on peut avoir de l'argile assez facilement. Bon, pas besoin, hein, tout ça. Dans un premier temps, on va essayer de pas péter base. Ah, un petit. Alors donc, il y a des réserves. Réserves par défaut. Bon là, ils vont mettre un peu tout. Vous avez la décharge. Hein. Là, par contre, vous avez une autre réserve directement pour le matériel, le matos de guerre. Arme, armure. Ça. On va tout de suite se construire un petit baraque, je pense. Même qu'on ait de quoi de mettre. On va mettre une porte. Alors les fenêtres sont importantes sur le jeu. Pas juste décoratif, c'est qu'elles vont permettre autant de chaleur de ventiler, donc qu'il fasse meilleur dans la pièce. Et l'hiver, si vous les fermez, là, vous avez. Donc voilà, c'est là il y a vraiment un intérêt sur. Là, on fera une. Déjà, c'est bon comme ça. Alors les pièces aussi sont. Comment. Vous avez des pouvoir des bonus. Non. Bonus pour l'atelier, etc. Alors ça marque pas vraiment le bonus. Et vous pouvez avoir des différents types de pièces. Et ils vont par exemple, on améliorer ce qui va améliorer le bonheur, par exemple. Chambre, si vous avez vraiment une pièce réservée au. Chambre, au lit, etc. Ça va améliorer la satisfaction de vos. Yeah.
Et pour qu'il faut remplir certaines conditions pour que, avoir un type de pièce. Vous voyez, par exemple, il faut avoir dans la pièce que des lits, que des trucs de couchage. Pas avoir des hôtels, hier, des trucs de... Ouais. Vraiment consacrer les pièces à cette activité. Les ateliers, c'est pareil. Ok, bah on va pouvoir commencer à faire bosser un peu tout le monde, je pense. On va unlock tout ça. On va commencer là. Oui. Aussi pour apprendre des nouvelles techniques, des graines, parce que là voilà, il faut pouvoir planter des cultures, il faut les graines. Si vous n'avez pas les graines, là vous faire les bons types de cultures. Et de boissons, vous voyez, là ils sont généreux en ressources hein, quand vous commencez à la partie. Ok, alors on va voir une petite chose, faut voir un peu les attributs. Donc là on retrouve le truc classique. Contacter l'équipe qu'on préfère en fonction des étoiles. Donc priorité, il faut leur faire. C'est là. Il n'y a rien qui l'adore. On va les mettre qui se, en soin, tout le monde en soin, tout le monde en... Dès qu'ils sont blessés, ils vont se piquer. Pour les soigner, il faut vraiment qu'ils soient couchés. Vraiment pas de soins. Bon, on se transforme. Et puis bah, le reste, bon, on va laisser un peu comme ça. Action, lui il fait pas grand chose, il va faire quoi? Chasse, un peu de construction, ah, il va taffer quand même un peu. 11. Elle a encore un qui est. Un peu plus. Pistot, quel cadeau de pistolet. Fabrication, on se forge aussi. Menuiserie. Ah, qui sort du lot. Confection. Okay. On peut faire un peu de tout. Bon, pour ça, c'est bon. Après, vous pouvez bien sûr régler les horaires de travail, etc. Là, ils ont 10 heures de nuit. Ah, je pense. Là, on verra. On a l'onglet gestion. Évidemment, on gère le statut. Je suis... Comme ça, ils vont combattre, ils vont chercher la... On peut gérer aussi donc, le type d'arme directement qu'on veut. Donc là oui on a horreur le tir puis on va leur dire le arc puis on va le mettre au corps à corps. Alors par contre il y en a deux, imagine s'il y en a un c'est pour les armes hein, les autres armes de main, mais le problème c'est qu'on voit pas, pas de... je crois que c'est le premier. Là, on va leur dire. Non, il y a une tenue d'hiver, une tenue d'été. Et après, vous avez la partie armée. Gérer la nourriture, je vais préférer qu'ils prennent que les repas, parce qu'autrement, ils vont taper dans la réserve de base. Autre type de nourriture, il n'y aura plus les ingrédients. Et je sais pas d'ailleurs si on va en faire ça.
Ok, donc ils vont s'auto-équiper. On va pouvoir lancer. On peut, ça c'est les animaux qu'on a. Bon, il y a l'option dressage, l'option abattre, la faune locale. Avec l'âge des trucs. Et pour chasser. Vous avez directement le pourcentage de chance d'avoir croisé et qui vous attaque en cas de croisement raté. Pareil pour la chasse. Oh, est-ce qu'on a eu intérêt? Merci. Au moment où on va laisser comme ça. Après, il y aura l'atelier, l'onglet recherche et région, mais pour ça, ok. Allez, les petits gars, du boulot. Merci. Assez vite. Je vais te mettre un peu. Niveau champ. Je pense. Ah, et ben. Ok, il en faut deux. Ça. Hein? Là, par contre, j'en ai pas dans le coin. On va faire nos fenêtres. En traversant. Donc, vous avez en haut date. L'heure et la température. La température, c'est là qu'on va la voir en fonction. Tout est ici qu'il faudra surveiller la température. Là, vous avez. Et avec ça. Allez, pour le moment, on va prioriser un peu. Ouais, ce serait bien de leur faire peut-être. J'ai pas mal. Donc, on retrouve la liste de trucs qui ont été mis déjà dans les stockages. Hein. Repas emballé, foin, argile, feuille, et les de jeunes. Pour les arbres aussi, c'est pareil. Il faut les... Et vous pouvez, si vous voulez, grouper du type de partie. Avoir comme ça. Il y a trois, le groupe nourriture pour les. Les matériaux, alimentation animale, les graines, toutes les graines que vous avez, les livres et les produits. Alors il va falloir faire un enclos pour nos bestiaux aussi.
peut-être. Ça, ils vont les mettre. Ils pourront commencer à faire de l'eau pro, etc. Alors, nourriture est périssable. Encore plus quand on est au sol et en zone verte. Mais il va falloir faire des frigos. Alors là. Pas comme Rimworld, vous n'avez pas de climatiseur, tout ça, hein, c'est là, hein, donc pas ça. Là, les frigos, en fait, ça consiste à faire une réserve sous terre. Sous terre, ce sera plus frais. Donc, il va falloir creuser une réserve, une zone dans le sol, en profondeur, pour faire tout le stockage de nourriture pour pas que ça périsse. Les rations, c'est pas en 25 ans, mais brut et 4 jours. 4 jours pour se décomposer et après pourri en 3 jours. On va peut-être dans un premier temps se faire une. Interdit. Donc et donc on va gérer effectivement ce qu'on met dedans, la priorité. À l'intérieur, on va mettre tout ce qui est périssable, donc on va gérer. Carcasse aussi. Normalement, ils sont censés rapatrier ce produit-là. Et on peut aussi booster, on peut le supprimer. Et du fait que là, c'est une priorité plus faible, normalement, ils sont censés. Allez. On met un peu de récolte peut-être. Donc ça, c'est des plantes de soins médicinales. Hein. Oui, contrairement à Rimworld. Plus immersif, en fait. Même plus simple. Là, c'est du lin dans les vêtements. Faut
pas leur donner trop de boulot parce qu'ils sont débordés en fait. Oui, je trouvais assez lent par rapport à du remord, etc. Là, vraiment, le jeu est quand même plus. Alors, il va falloir faire un petit hier, très important, c'est pas pris. Ils ont chacun leur religion. Ou un petit truc de loisir, bien sûr. Bon. Il va leur falloir évidemment une petite table. Au moment où on a que des tabourets, chacun un. Le bras zéro, ça c'est l'hiver quand il fera froid. On va commencer à se faire une table de recherche. Le feu de camp, donc, on kiffe. Ouf. Ou une table de débitage pour quand on va chasser. Hop. Il va falloir faire un toit. Les toits sont pas automatiques, hein. Là, par contre, c'est pas comme une board où ils vont vous fermer la zone, hop, ça vous balance un toit. Là, non. Là, il faut faire un toit. Mais pour faire un toit, il va falloir. Là, c'est quand même une grande zone. Soit on va faire, soit on fait deux toits, soit on peut. On peut. Donc quasiment. Attends qu'ils aient. Donc ils ont mis direct la bouffe dedans. On va en mettre un en foin. Et on va en mettre un en nourriture pour animaux. Voilà, les deux sont parqués. On va voir comment ça faire leurs petites affaires. Ils vont nous produire du lait. Voilà, ils sont contents. On peut commencer à prier. Ni ça que je puisse faire des. On a construit. Il nous a bien pris l'épée et le bouclier. Donc oui, il manque pas trop de ressources, hein. Il y a quand même plein de champignons, plein de baies. Donc la nourriture n'est pas vraiment un problème là pour trois colons, on peut chasser si besoin. Ça va au début. Ouais, donc normalement, j'ai pas débloqué, on peut débloquer des poutres. On va mettre au milieu. Et ça me permettrait comme ça d'étendre et d'avoir une zone de toit plus importante. Parce que là, à mon avis, si je perds le toit, ça va peut-être pas passer. Bah, et, bah, le toit peut pas être si grand que ça. Et si je mets ici une poutre, mais bon, au final, ça va revenir au même, je trouve. On va fermer déjà les chambres. On attendra d'avoir débloqué la poutre. Bien sûr, il va falloir faire un sol. Alors, on va leur faire récolter un peu de foin pour le toit. Alors, il va falloir commencer un peu à mis ça là. Commencer la production de bouffe.
par la fabrication de repas. Exactement. On a de la bouffe, on a de la baie, de la groseille, du chou, du lait et des champignons. Pas content, mais on va s'arranger. Mets-moi le feu là, qu'il y en a qui puissent faire la cuisine un peu là. Donc, on peut faire des repas et on peut faire de la nourriture pour animaux. Est-ce qu'on va faire de la nourriture pour animaux pour le moment? Peut-être pas. On peut tenter du foin, je pense. Hein. Et par contre, on va faire. Donc, toujours, moi j'aime bien comme ça, vraiment, c'est jusqu'à obtenir une certaine quantité. Allez, on va dire. Pour comme. Voilà. Elles ont ramené les deux carcasses, on va pouvoir débiter ça. Donc là, c'est pareil, là, par contre, tout le temps. Voilà. Ça commence. Alors, ils ont fait aussi. On peut mettre pareil. La science. Donc là, la science, en fait, ils vont pas apprendre. Technique particulière, ils vont produire des livres. Donc là, ils appellent ça des chroniques. Il y en aura différents niveaux. Et il vous faudra une certaine quantité de ces chroniques pour débloquer les recherches. On va débloquer. Alors, c'est ça. Agriculture. Et vous les utilisez. Enfin, c'est particulier parce que la recherche sur ce jeu. Vous voyez, on en a utilisé 25. Mais les livres vont rester en fait. Donc il va falloir stocker les livres utilisés. Donc il faut se tenir compte en fait du nombre de livres chroniques disponibles. Et pas ce chiffre-là, qui ça, c'est des trucs qu'on a déjà utilisés. Mais si on les perd, je crois qu'on perd les connaissances. Donc voilà, il faut prévoir de stocker tous les livres. C'est trop grand mon affaire. On va faire une autre pièce, je pense, de vraiment vite. C'est trop grand. Je peux pas tenir. Les poutres sont pas assez. C'est pas grave, on va compartir. De toute façon, ça part. Non. Ah, presque exact. Comme ça après je pourrais faire régler. Alors là il voudra déjà bien me faire le truc encore pas ouais il faut que ça bosse les petits surtout le point avec. S'il y a du bois là, pour utiliser le bois, les gars. Il y en a 17,5. Fermé enfin tout ça. C'est plus un peu grand, mais c'est pas. Donc elle est partie faire un peu de recherche. Oh bah si tu rates, on est. Du coup, les décisions.
Le toit. Donc on peut supprimer la vue de tout. On voit ce qu'il y a. Alors il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait, comme on va faire des choses en profondeur, on peut gérer le champ de vision par rapport à ça. Quand on va creuser, on pourra accéder. Un peu, je crois que sur Timberboard, c'est un peu le même principe. Et la hauteur pour le. Donc là, ils ont fait le toit. Ouais, en température, on est à 7,2 à l'intérieur, 12,3 dehors. Et tout de suite, la température, c'est plus la même une fois que c'est couvert. Pour ça, il faut qu'on couvre là pour la bouffe en attendant de faire du stockage souterrain. C'est vraiment pas, hein. C'est encore vraiment trop long, t'exagères le truc. Longueur en fait qui leur pose problème. Trop long, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, tu regardes encore. Vraiment. La poutre est 10. Oh, elle est un peu pénible là, non? Vraiment vu. On va le déplacer. On va faire copier. Et on va. Normalement, il a copié tous les mêmes paramètres. Hein. On va la supprimer. Là, ils vont tout balancer là-haut. Et moi, je vais reconstruire. Un mur. Après, ça fermera la cuisine, comme ça, on va dire. Obligé de faire une porte ou quoi? Donc là, ce serait bien de faire une fenêtre. Attends que tu fais. Qui va encore m'embêter mon truc. Grand que ça là quand même. Déjà. Enfin. Donc 6 degrés à l'intérieur. 9. Ah ouais, je sais pas trop. Essayer de me finir ça un peu vite. Faire le toit partout. On va faire le frigo aussi vite. Poser ici. Porte pour. Chez les ingrédients. Parce que je vais devoir faire une porte.
sur toute la largeur. Vraiment, là, pourquoi il m'embête autant que ça? Cette partie, j'ai pas de soucis comme ça. Après, j'avais vu peut-être un peu plus petit. Là, il va juste me faire des bouts de toit à la con. Pose la porte vraiment. Portons. Ouais, me fait des bouts de toit, ça va. Oh, tu veux pas me le faire correctement? Qu'est-ce qui va pas avec vous, les gars? Quel est votre souci? Pourquoi vous voulez pas faire deux points d'appui ou plus pour pouvoir tenir et être placé? Là, deux points d'appui. Ah, t'as bien voulu me faire un toit, pas possible, mais là, tu veux pas. Là aussi, c'est pareil. Je crois que j'avais déjà eu ce souci-là une fois. Il n'y a pas un truc pour supprimer le toit? Je peux pas sélectionner le toit tout seul. Là, du coup, vous m'emmerdez un peu hein, si je peux pas faire un toit. Là, il veut bien faire du toit ici, comme ça. Sauf là. Là, il veut pas. Il y a le toit qui va gêner. Et du coup, je supprime vraiment le toit. Faut que je vire la poutre. Là, je me souviens que il y a des fois, j'ai dû faire un double mur, effectivement, pour le toit, mais c'est non, parce que. Là, ça pose pas de problème, il arrive à me faire un toit là. C'est quand même de protéger cette zone-là. Bon, c'est un prix. Un marchand qui arrive. Okay. Là, tu veux pas. Qu'est-ce que tu me. Ah, d'accord. Voilà qui. Et là, tu veux pas parce qu'il faut une poutre, c'est ça? C'est ça. Longueur, j'ai. Bah non, là, c'est. Je sens que ça va pas le faire mon truc. Oublie, j'habille. Ouais, c'est. Ah non, histoire. Toi, ils vont pas faire un toit.
Donc là, c'est bon comme ça. C'est dans la longueur là qui veut pas. Je viens de faire là. Ah, il veut bien. Faut que je fasse une poutre là encore, c'est ça? Une, tu roules pas bien. Là, c'est pareil. Il veut. Ouais. Il m'embête la souris comme ça. Par chance, en fait. Elle t'aime bien parce qu'il a une mouche. J'ai demandé à discuter, pas d'aller bouffer, quoi. Oh, les mecs ils font. Alors, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a des. On est déjà. On a passé. Les herbes, ça va aller. Qu'est-ce que je peux lui refourguer? Plein d'herbes pour le moment, on va dire. Donc si vous laissez un petit bonus, bah, on va avoir, vous allez gagner un peu de relation avec sa faction. Un petit peu, ça serait bien, mais pas trop non plus. On n'est pas trop. Et un peu plus de graines de chou. Ouais, quand même. On est gay. Il faut que je résolve ce type de. Ouais, j'ai cru lui de quelque chose. J'aurais dû préparer différemment. Oh, le toit non. Hop. Mets tout le toit. Là, je pense. Bon, on va laisser là comme ça. Et on va essayer de le faire dans l'autre sens. Je pense que celui-là, là, comme. Et là, moi je le veux pas comme ça, non. On est toi comme ça. Ça veut bien. Pense qu'on va faire pareil ici. Qu'il va falloir que je fasse. J'ai arrivé à réparer mes coffres. Oh, pareil, tu vois. Et là, il veut pas. Voilà. Voilà, t'as bien voulu. Là, tu veux pas.
Pas contrariant comme jeu. Avec les poutres, ça passe pas. Là, tu veux bien. Là, tu veux pas. Là, tu veux bien comme ça. Alors, c'est parce que les poutres sont pas au même endroit, c'est ça. Bah, j'ai la fenêtre là qui me fait chier, et là, c'est la porte qui me fait chier. La porte. Hein. Et que se cire pour faire une... faire un toit, quoi. On sera sur la même longueur, il faudra me faire des toits. Le télé. On me part à court de bouffe pendant que je répare mes canards. Bien, alors la poutre, on la vire. Autre. Alors du coup, il m'a fait... Et là, on tourne. Et il veut toujours. On fait le jeu. Et à cette zone-là, il veut vraiment pas faire de trois. C'est, je sais pas pourquoi. Là, je peux. Il y a déjà un petit bout qui est construit là. L'histoire. Par rapport aux pièces que j'ai dit tout à l'heure, là il pourrait avoir une pièce atelier, mais il manque une chose pour que ça fasse une pièce atelier. Il faut aussi avoir des étagères murales. Étagères murales, ça peut être. Truc immobilier. Comme ça, on peut faire des étagères murales. Il y a deux types, une directement accrochée au mur et une posée. Celle-ci. Et on va lui mettre ça, tous les livres utilisés, on pourra être stockés ici. Et en plus, ça va nous transformer la pièce. Bon. Voyons. Hors de toi. Moi, j'aurais voulu faire comme ça. Donc, on le tourne. Là. Ça, il veut pas. Comme ça, il veut bien. Et tu voudras bien m'en faire de côté comme ça. On doit voir.
Il veut pas. Je refasse une autre poutre. Une autre poutre, hein, moi. Sort de poutre. Donc là, on peut te voir. Pourquoi le trou est branché? On est où du foin pour l'eau? Oh, ça. Hop, gaffe. Bien. Qu'est-ce que si ça veut? Utilise. Toujours pas. Là, ça va pas comme ça. Comme ça, est-ce que ça va non plus? Bien mettre sur la poutre. D'accord. Donc en gros, c'est vrai que j'aurais fait une poutre ici. Nickel. Voilà. Comme ça. Et la fenêtre. Pas grave. On avoir des pièces partout. Mais partout, on utilise une quantité de ressources pas possible pour pas grand-chose. J'imagine. Je pensais pas qu'il me précise pas que j'ai mal planifié, c'est que je pensais pas qu'il m'embêterait comme ça, quoi. Sur une partie de test, là, il n'y a pas eu de soucis de construction. Je me souviens que quand j'avais déjà testé à l'époque le jeu, j'avais été embêté. Par de toit, machin. Comme là, j'avais pas été embêté sur mon partie de test, je me dis bon, bah c'est bon, ça va. Donc, je vais pas me la construire là, en fait. Alors, recherche. Fermentation, ce serait pas mal faire de l'alcool parce que des buveurs, ils vont péter un câble s'ils n'ont pas d'alcool. Alors, le premier colon, par contre, est poursuivi. Et une journée, il va y avoir des gens qui vont nous attaquer pour le récupérer. Oui, là, ça s'est tagué en chambre. Et là, ça s'est tagué en truc de recherche. Dors-toi. Et alors, pas la couleur en différence. Bon, il n'est pas encore fait les étagères, non. Encore tagué, du coup. Parce que la couleur c'était c'est quoi chapelle de l'église? Ah, on peut faire aussi pour la religion chaque religion peut faire une salle pour le roche.
Donc là, c'est bon, ils ont pété. Hop. On va. Un truc, peut-être qu'on va enfin pouvoir fermer. Alors, le petit nouveau, on regarde un peu ce qu'il fait pas. Tireur, oh, c'est un bon tireur, il n'a pas d'autre arc. Il n'a pas venu avec un arc, hein, je pense pas. Donc c'est un bon tireur, extraction, forge, rien. Pas grand chose qui raffole quand même. On va le mettre en 1 dans tous ces trucs-là. On va le mettre en 1 qui risque de péter, il va me faire un autre lit. Oh, pas mal. Hein. Ok, alors ça, on va le mettre neutre. Bien. Là, on se met. Oh, donc pour le moment, on va le mettre corps à corps et la arme à deux mains. Le bouclier, tu vas pouvoir. Ok, oui, on va mettre tous les casques. Donc ça, c'est une tenue forcée. On pourra le changer, mais pour le moment, ça n'a rien d'autre. Et tu vas prendre que les repas. Ok. Eh oui, il faut un lit. Donne-moi le lit. Je peux pas sélectionner. Allez hop. Et... demain, il aura un lit. Il est gravement blessé ou pas? Allez. Il faudra qu'il soit dans un lit pour pouvoir le soigner. Donc... Enfin, pas pour aujourd'hui, mais bon, ça n'a pas l'air d'être dramatique, modéré, lacération, pas une... même très grave, il ne peut pas mourir comme ça. Les renards, ils sont pas trop chiés, ils viennent directement se servir à l'intérieur. Tranquille, quoi. Il va falloir aussi. On a un bon dortoir, on peut accueillir du monde. Hein. Combien? 8 degrés dedans, 11 h. Il s'est fermé aussi. Après le. Hey, ça va, il t'en a pas marre, toi? Tu te crois où, là? Ah, puis il dort à la maison, quoi, carrément. On peut presque essayer d'apprivoiser, mais j'ai pas encore réussi à apprivoiser des animaux prédateurs. Ouais, on peut essayer, hein. Monsieur, il dort chez nous, carrément. Donc, oui, je disais, ça produit de la chaleur. Hein. La cuisine produit de la chaleur, donc. La zone va être un peu plus chaude. Bon, vous me les poutres, vous me les faites un jour ou pas? Il y a du bois là. Hein. Pas de bois. Hein. Il est piété, du coup il a été soigné par les... Allô, les poutres. Voir si ça va marcher ce coup-ci.
Celle-là aussi. Ok, alors. Aïe. Bien, je vais. Ouais, donc ça y est, les zones bibliothèques. Hein. On les construit maintenant aux étages. Donc, normalement, ça doit booster la recherche. Les cultures que j'ai pas lancées. Alors on peut faire un champ de choux. Champ de choux, oui, comme ça. Et en fonction du nombre de graines. Hein. Si on passe des graines. Hop, hop. Betterave, est-ce que j'en ai? L'or, j'en ai pas. Des trucs d'herbe. C'est des trucs de foin. Roseille, important, autant pour un petit champ de roseille. Et après, c'est les arbres. On peut faire aussi des arbres, ça évite, on peut les faire pousser. Ça peut être pratique. Comme ça, là. Érable. Érable champêtre. Quand ils auront la graine, ils compléteront la taille des champs. Ah bon. Et les graines, on en récupère quand on récupère les sauvages aussi. Hein. Très bien, ça bosse. Bon, ça a enfin fermé notre bouge. P66 à l'intérieur, donc la boue va moins se dégrader en attendant que je construise mon entrepôt souterrain. Donc tous les livres voilà, qu'on a utilisés, il est full sur l'étagère. Ça, tout ça, c'est les livres qui ont été utilisés ou pas utilisés. 55 qui ont été alloués, on a 11 disponibles. Alors on peut leur faire des vrais lits, on peut faire des râteliers aussi, on a des lits. Non. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel, mais bon, on peut en faire une paire quand même. On va faire des vrais lits. Non. Allez, donc les eaux, les vilains sont arrivés, on va défendre, parce que c'est le seul moyen de récupérer les nouveaux gars, c'est par des événements aléatoires comme ça, soit parce qu'ils sont sauvés parce qu'ils étaient attaqués, soit juste c'était des vagabonds. Mais donc dès qu'on peut récupérer un gars, faut y aller parce qu'il n'y en a pas des tonnes, donc tant pis si on doit se faire taper dessus, on va essayer de pas avoir de mort, c'est tout. Mais on va garder le gars qu'on a accueilli. On va bien finir. Donc pour le moment, on n'a pas grand-chose en défense. Mais oui, quand même. Là, il faudrait un petit tour, quelque chose, hein, parce que les archers, ils fonctionnent mieux quand ils sont en hauteur et en plus, ils sont protégés. Au moment, on va les laisser dormir encore un peu. Oh, il y a quoi? Pas d'arc. Exact. J'en sais
Donc c'est comme Rimworld en fait, vous allez les mobiliser. Et on va les laisser venir à nous par ici, parce que le but c'est de. J'ai pas vu vraiment le joueur quand même. J'ai pas deux as. Ah, merde, c'est l'archer que j'ai mis. Bon, on va essayer de pas perdre. Ouais, les archers, tout à fait. Hein. Ah, direct aux archers. Hein. Ils vont taper, ils vont passer. Et non, arrêtez, passe l'archer. Allez, toi, et lui, toi tu recules. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, donc à la fin du raid, vous avez un petit récapitulatif. Il vous dit le nombre d'ennemis que vous avez tués. Qui a été le plus brave, donc qui a infligé plus de coups. Qui a subi plus de dégâts dans votre équipe. À mort, il vous dit. Ça vous dit aussi s'il y a des trucs qui ont été détruits dans la base. Bon, on sort pas trop mal. Il veut pas fuir. Ok, bon bah là ils vont pouvoir aller se coucher. On les soigne. Donc on a récupéré du loot. Alors, il peut y avoir l'armure de Nain, il y a des trucs comme ça, ils pourront s'en équiper même si c'est pas terrible. Petit casque. Pendant mieux ça. Il saigne bien. Et... Commotion. Ah. Ouais. Bon. Faut surveiller parce que. Repartez comme ça. Vous voulez pas aller vous pioter pour être soigné? C'est difficile. Et on peut pas les obliger à se pioter. À part mettre un truc en convalescence, on peut pas leur dire reste au lit comme sur Rimworld où on leur dit quand ils sont blessés, hop, reste au lit jusqu'à guérison, machin, puis comme ça les potes peuvent venir les soigner. Non, bah, je crois qu'on peut. J'ai pas vu. Hein. Quand vous sélectionnez un gars, tout ce que vous pouvez lui faire faire, c'est détruire le pieu. Peut le dire d'aller soigner ses potes. Écoute, les soigner. Soignez-vous l'un l'autre. Il faut faire gaffe parce que tu te dis c'est pas très grave et finalement ils arrivent à prendre un peu trop mourir malgré tout. Là tout est bandé, bandé. Bon, accélère un peu. Non, c'est bon. Il n'était pas blessé. Ça va nickel. Voilà, donc elle va s'équiper un peu avec un os qui lui manquait un. Hein. Ils ont chopé les casques. Et des armes. Par contre, ils ne chopent pas les meilleures armes. Hein. Il faut faire ça se déséquiper et rééquiper. Ah, ça.
Ouais, ils ont lu. Ensuite, du bois, du fou. Le foin, c'est là. On va faire le lit. Ah oui, par contre. Du macabé. Ah, vite, 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 parce que c'est comme Siri World. Pas trop grave. Meilleur moyen, au final, c'est les bûches. S'embêter à faire des tombes, machin. Tu faire des bûches. Ils vont te cramer les corps. Charge, ça sera... Oh bah non, si tu rates tout, mon grand, ça va pas. Déconne, là. Allez, hop. On va mettre tout le temps et comme ça. Pareil. Il a mis du combustible. Ah, je vais aller. Voilà. Et de 1. Et de 2. Encore. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Tout va bien. Peut-être commencer à faire un peu de sol, hein? Ça va améliorer la vitesse de déplacement notamment. Par contre, les sols, en fait, ont un effet thermique, comme les différents types. Ça fait qu'ils vont isoler quand même. Mais en fait, le froid vient du sol, donc il va faire plus chaud en mettant du sol. C'est pour ça que dans les réserves souterraines, il ne faut pas mettre de sol. Vraiment, vous allez avoir moins de fraîcheur. Mieux laisser le sol à nu. Par contre, mettre des étagères pour ranger la boue. De fermentation. Pourtant qu'on commence à leur faire de la boisson avant qu'ils pètent des câbles. On les macabées là? Non, il reste encore un. On va le virer. Me donne pas une icône pour que je puisse passer. C'est sympa. Hein? Les entrebouts. Ils suivent pas après. Ça va, t'as qu'à aller bouffer nos cultures, toi le cochon. Et ils sont durs les cochons pour les tuer. Oh, mais... Ils attaquent. Ah si, je peux les tuer, mais j'ai pas envie non.
Là, t'as des pieux, tu vas te mettre dans le sac de couchage à la con, quoi. Ouais, ils ont bien planté, c'est déjà pas mal. Et l'autre macabée, vous allez me le cramer un jour parce que à chaque fois qu'ils passent devant, ça joue sur leur morale. Hein. C'est là qu'il faut faire prioriser leur production. Et oui. S'il te plaît. Ah ouais, y a pas de malus. Pas de malus, elle va pas être emmerdée par les cadres. Finalement, ça va. Lui, il a vêtements hideux. Bon, deux. Ça va. Ils sont calables, ils ont pas gêné. On ferait pas un petit peu de chasse. Voyons voir ce qu'il y a d'intéressant. Pas trop violent. Le cerf mature, on peut. Alors je pense que quand ils sont adultes, ils doivent rapporter plus de ressources. Donc généralement, j'essaie de tuer que les adultes. J'imagine que ça. Alors, il y a le côté aussi, le fait de. En fonction de l'âge, ils sont plus ou moins faciles à apprivoiser. Ils ont plus de chances de qu'un. Et peut-être qu'ils rapportent aussi plus de ressources quand tu tues les adultes. Certain de ça. Voulez pas faire des bébés, vous? Alors par contre, j'ai pas repéré d'icône pour te dire. Avant, c'est l'une des dernières mises à jour, l'histoire des amis. Pas avant. Bon, globalement, ça va. On peut pas. Non. Ils ont fait un râtelier, mais apparemment, ils ont rien mis dedans encore. Peut-être poser une petite zone de réserve pour les arbres ici. Si c'est dehors, ça se dégrade. Bon, ils sont quand même censés mettre au moins les armes là. L'avantage, c'est que ça permet d'en stocker plusieurs hein. Et d'une seule par case. Est-ce qu'on commencerait pas à faire un petit frigo? Pas de la cuisine. Ils ont trouvé. Ça suit pas. On n'a pas tant de bouffe là de.
Bah voilà, c'est une... Promotion légère. Etsy. On a encore assez de bois. Encore assez. On est encore au printemps, donc ça va. C'était quoi les herbes? Alors, il y a deux types de râteliers, porte-armes muraille et porte-armes. J'ai pas vu encore de porte-armes. J'ai pas fait de tort. Rien en faire. Pas dans la chambre. Bon, les brindilles, on un peu. On met du temps quand même pour ça. Brindilles. Donc ça, aussi. Juste bien qu'il range ça. En exprès. Élevé. Recherche disponible. Qu'est-ce qu'on peut débloquer? Truc décoratif, c'est pas vraiment la priorité là. On va laisser continuer à passer tout. Ça se dégrade beaucoup pas hein. Ça dégrade pas du tout le foin. Ah ouais. Ok. Et qu'à finir les sols ici, on sera pas trop mal. Et après, ils pourront creuser un peu. Viande rôtie, il me laisse dehors tranquille. Alors, il faut pas faire du coup la réserve de nourriture en dessous de la cuisine parce que tant la chaleur de la cuisine va aller dans la réserve plus du feu, des trucs de cuisson quoi. Déjà pas mal. Faire des fenêtres aussi. Ah, on a eu un bébé. Petite chèvre. Porte, on fera la place de fond. Ça.
et la fenêtre. On va transformer ça en porte pour accéder au cellier. Alors voilà, là on a des trucs intéressants. Confection, donc les vêtements, conservation des aliments. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Ça va permettre de fumer la viande. Et ça va permettre, quand vous mettez dans les étagères, ça réduit énormément le temps de dégradation des aliments. Enfin, des choses de manière générale. Je pense que c'est plutôt ça la priorité pour commencer à préparer l'hiver. Et de faire du. Et on verra la confection. Que c'est pas important, je pense que ça va se déverrouiller. Donc, il va nous falloir. Ah, si je veux. On va faire. Hop. Deux fumoirs. On peut le faire en calcaire aussi. Et. On va faire du stockage. Au sous-sol après. Va falloir un peu de bois là. On coupe. Voilà, hop, un premier. On peut l'utiliser même la viande fumée, on peut l'utiliser. Ah, je sais que ça. Ah. J'entre pas. Ils peuvent me transformer tout. Les miens, mais c'est que pour chasser un petit peu. Oui. Oh, jeune loup peut essayer d'apprivoiser. Pas encore réussi en apprivoiser. Pas de viande à mettre dans les. Ok, donc pareil. Il nous faut un petit toit à mettre ici. Le jeu va être plus gentil. Il va me laisser. Zone est moins grande que. Donc, ils ont fait les étagères. On va attendre qu'ils finissent. Quoi? On va les mettre en très élevé. Et là-dedans, ils vont pouvoir mettre nourriture, les matériaux. Ont une péremption. Hein. Donc, les graines, tout ce qui va être dégradable en fait, qu'ils vont pouvoir mettre dedans, mais il est important quoi. Donc pour le moment, on va laisser mettre tout, et après à l'étage, on laissera juste mettre, je pense, tout ce qui est textile, graines, ça tient plutôt bien, et tout ce qui est la nourriture, on va en sous. Normalement les textiles, je crois que ouais, ça peut ouvrir 30. Ouais, ah oui, ça. Ça de base, ça dure bien. Alors le foin, on a vu que.
Pas besoin. Bien dehors. Encombrer l'intérieur. Les baies, 22 jours. Il fait pas très chaud là. Hein. 5-9 à l'intérieur. Donc là, il y a quand même déjà une bonne isolation. Normalement, si je ferme la fenêtre, ça devrait monter. Hein. En été, il faut laisser ouvert et l'hiver, il faut faire. Pourquoi t'es pas bon? T'as fait un cauchemar. Manque de divertissement, soif extrême. Ah oui, alcool. Ah bah t'as. Manque de. Bah, t'as des trucs de prière et puis t'as un truc un échiquier là. Pragma, évidemment. Non, c'est bon, hein. T'as juste Yaka, là. Ça, j'ai pas mis par contre la production encore. Donc, on peut faire du fromage en faisant payer le lait. Ça peut être mal. Hop. On peut faire de la fermentation du jus de fruits. Et on peut faire du moût de fermentation. Ça va faire. Ah, il y a mal, alors là. Ils peuvent pas ranger la viande quand elle est prête, hein, plutôt que de la laisser dehors. C'est de la viande séchée. Faut ranger, les gars. Je peux pas rien accrocher. Pourtant, toi, tu es un peu spécialisé en traction, normalement. Hein? Monsieur Rob, machin, il fait du transport, c'est bien, mais la priorité, c'est le 1, là. Vente et construction et extraction. Petit bonhomme. Faire ton portée. Préfère. Et il y a un problème. On va te un peu ça. Hein. Les priorités sont pas très très bien. Pas la première fois que je remarque que les mecs font plus ce qu'ils veulent. Il continue à faire du transport. Il veut pas les creuser. Maintenant, il va faire de. Et tout sauf que ce que je lui demande, hein, parce que il est trop en recherche, il n'est pas censé. C'est lui qui est prioritaire en recherche. Tout quoi. Il est censé faire construction en priorité, extraction, forge menuiserie. Et ce qu'il va faire, il va faire de la recherche. Gentil, mais pas ce que je veux que tu fasses quoi. En plus, c'est des activités qu'il aime bien, donc il est censé faire ça en priorité. Hein. Bah, parce que je choisis une porte aussi. J'ai fermé, mais j'ai pas la fenêtre et que je. Ouais, tout est compliqué. Autant pour moi. Mais j'ai quand même l'impression que des fois, il faut un peu ce qu'il veut.
C'est que 200 par truc à chaque fois. Peut-être en faire un deuxième. Ça leur mettra un peu plus de. Le foin, ouais, ben, pas le chinois, on s'en fout. Même la pluie, tout ça, ça. Ouais, commence à nous récolter des choux, c'est cool. Avec de la bouffe. Un escalier qui descend. Alors, ils ont vraiment miné devant la porte. Et tout ça miné, ils ont été au plus près. Ou ils peuvent plus miner le reste. Ah, on va faire un seul. Il y aura après, histoire qu'ils puissent aider. Alors, vu que ils sont un peu cons, pas sûr. Bon. Même si plus là qui puisse. C'est du genre, il y a une branche qui doit osciller, ça saute dessus pour scier la branche. Le foin, du coup, on pourrait peut-être le mettre en charge. Sortez-y. Oui. Bon, c'est l'été. Voilà. Donc, ils ont mis des choux. Et donc, on peut voir là, la péremption. 24 jours. Plutôt bien. Là, il fait une température de 8 degrés dedans. Le but, ce sera de descendre tout ça. Voilà, mais déjà, le fait que ça soit plus au sol, que ce soit dans un stockage, les choux vont se conserver beaucoup mieux. On va faire un truc. Céleri. 12 heures. Ça me pète. Voilà. Sortir les lentes sur le. Sacre. Ça que je puisse faire mon escalier. Hein? Ah, vous avez... Celle-là. Ah, voilà. Il y a un copain qui va se faire le. Et là, on peut faire. Voilà. Voilà. On s'en fout.
Donc pour le moment, il fait pas spécialement plus frais en bas, parce qu'il va quand même falloir faire un plancher. Regardez la température. Comment ça, zone? Alors, comment ça, c'est de l'argile. Et on leur fait peut-être faire un petit sol en argile. Sol en osier. Voilà. Situation thermique 0,4. Ah, il va falloir faire une poutre. Le plancher ne va pas tenir. Ouais, du coup, le sol est en isolation. Ouais, je sais que c'est pas terrible. Bon, hein. Le métier, ça serait bon. On a 0,94, c'est pas bon. Calcaire dans mon cylindre. L'osier c'est vachement bien du coup pour les autres. Ouais. Mon osier, hein, bah, je veux bien. Bah. Bon pour les options. Les branchages, c'est quoi? Du coup, il est bloqué ce qu'on a. Il dort là. Oh. Le mat. Bon, on va commencer à se mettre bien. On va avoir un autre frigo. On évitera de perdre la bouffe quand il va faire trop chaud. Ma famille, bah, qui mange. Hein. Je crois que c'est Ah, il faut le temps qu'il finisse avec plus de sol, c'est bon. Pas encore le libérer. C'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas assez de branchages. Il n'y a pas de branchages ici. C'est bien, ça taffe. Alors, on peut peut-être redescendre nos stockages là. Ouais. Donc, tu vas aller repositionner. Là, pareil, il me le défend. Voilà. Là. Quand ils auront fini les planchers, on va leur faire péter tout ça. Pas fermé. Voilà, donc la pièce là, il reste plus que là est fermée.
Ici, on a 17,5. Oh, là, je l'aime bien. Et là, il fait 8,7, mais c'est ah, pas du tout. Regardez les priorités. Faire des coups. Oui, du stockage en mode. Bizarre la température. Dehors. Entre. Oh bah on a du blanc, ça c'est cool. Recherche, on peut faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On a la fonte. Avec tout ça. Très bien la conception. Faire des vêtements. Ouh, on a plein de cuir. Alors, ici, donc on va faire qu'on se fasse une zone atelier. Ah, maintenant, ça. L'ancien. Ah ouais, ils ont. Parce que. Alors, ils ont creusé là. Ils ont dessous, mais il n'y a que là que ça a cassé. On met du poutre. Ça fait sauter de est-ce qu'il faut encore construire la poutre que j'avais vu. Pas construit la poutre là que j'avais demandé. Pour le sol justement, je veux pas que ça pète. Tout à l'heure ici. Non, pas que le sol en oseille j'aurais fait sauter d'une façon ou d'une autre. Faut croire. Alors la poche de couture, on va ici. Hein? Peut-être faire un. Petite. Ouais, alors, donc, du coup. Ouais, ils l'ont refait.
Peut-être mettre un peu de chasse. On a le Mathieu. Mathieu. Voilà, donc c'est refermé. Tout va bien, c'est pas facile. Ici, température 17,3. Neuf. Comment ça se fait? Pas plus. Douze. Oula, quoi. Ah. Un petit nouveau, mais là, il est pas poursuivi, donc il n'y aura pas de combat pour le garder. Bien sûr qu'on va. Ah, mais là j'étais en train de. On a 9-2 ici. Là ici, 11-3. 9-2. 11-6. Ça marche. Bon, les choux, ça repousse, ça c'est en train de pousser aussi. Les groseilliers, nickel. Bon, là, les betteraves, on n'a pas beaucoup. Herbe, bon, on n'a pas du tout. Alors, faut qu'on voit un petit peu qu'elle sait faire, notre petite Ève. Discours, dressage, extraction. Bah ouais, génial. Forge, menuiserie. Eh bah, ben, on va aller faire ça. Voilà. Une tireuse, je vais le faire. Non plus. Voilà. Bon, t'as toujours pas trouvé un arc, donc. Donc, elle est pas mauvaise. On va la mettre en deux sur ce qu'elle aime bien. Ça, on va mettre. Sélection. Cuisine, pas doué. Meilleur, c'est sûr en cuisine. Meilleur en cuisine. Attends, hein, est-ce que vous. On peut. Question, ouais. Ah. Récolte. Pas mauvaise en récolte, mais il y en a qui sont. Ouais, ça c'est bon, on va laisser comme ça. Calendrier, non, en tout cas, on va la mettre. Ah, et en fait, bah tu vois. Arme, hein. Casque. Nourriture. Prendre que les repas. Voilà. On est bon comme ça. Voilà. Et il n'y a pas un bouclier qui traîne. Non. On va approcher ça qui nous.
Bon, c'est pas mal. Disons, on va stocker le foin ici. C'est cool. La cendre, les os. Là, on a du branchage. Des minerais. Le suif. Suif. Oh. 4 jours. Je mettrais bien par contre ça. Faire une petite zone de stockage ici. On a 12-6. Va fermer la fenêtre. Non, parce que moi, donc, et il fallait les mettre ouvertes. Rapport au jeu. Mais pardon. Il mieux que l'hiver tu fermes pour garder pour la chaleur et que l'été tu ouvres. Là on a une bonne température. Mais là c'est. Non. Pourquoi cette zone-là est chaude alors qu'elle devrait être fraîche comme. En osier qui fait ça. Et là, on a 5 du coup. Peut-être bouger un peu le. Voilà, en bas. Peut-être l'outil, hein, qui... 15, 2, 15, 4. Si c'était pas fermé, presque. C'est bizarre cette histoire-là de chaleur. Pourquoi il fait chaud dans cette zone-là? Ouais, il y a tout, c'est fermé pourtant. Dedans, dégagé. C'est l'usine. Si on fait une zone de frais, c'est plus chaud qu'ici qu'ailleurs, pas trop l'intérêt là. Bizarre cette affaire. Peut-être parce que c'est de l'herbe, pas de la roche. Ça le souci. Bon là c'est pareil aussi. Ah, bizarre sur cette partie. L'autre partie j'ai pas de souci. Ouais ils ont stocké tarte aux groseilles. C'est fou ça. Là, il n'y a pas de. Voilà, la conservation, ça va quand même, mais en ayant creusé, normalement, on devrait. On va peut-être faire des sols en bois, voir si ça change. Le problème, c'est. Salon d'oseille. Sol en bois, hein. On va bien voir, hein. Le descriptif, c'était quand même mieux normalement. Alors,
C'est ça ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs matures à chasser? Mathieu? Il semble. Pardon, aussi. Elles entraînent au tir, hein, ça va. Alors, c'est bien ça. Par contre, ça passe pas mal à ce niveau-là, c'est cool. À la fin. On va pouvoir. Peut-être. On va finir ça. Le fumoir va réchauffer la zone à côté. Note ça. Ah non, mais il fait pas mauvais là-dedans. Il 6-2. Bah là, on a une température intéressante. Est-ce que c'était les seuls à nous y aller? Ou est-ce que c'est. On verra si ça remonte quand ça chauffe. Du coup, vous n'êtes pas fini de construire encore. Du coup, on est pas mal. Trop chaud. Alors, on va faire des vêtements d'été, des petits chapeaux. On va demander qu'ils détruisent là, ce qu'on a pu repérer en faisant des combats. Donc, pour les points de vie sont bas, faire ça automatiquement. Et là, tu vas me produire des chapeaux de paille et des vêtements d'outils. Condition critique carrément. Combien d'heures? 26, ça se passe pas non plus. C'est nickel, non? Pour là-haut? En connaissance. Oh la vache, le point de vue là par contre, c'est la merde. Hein. La merde le point de vue. Elle est pas soignée, pas du tout. Il l'avait pas encore soigné depuis le temps. Vache. Non, elle est mourir là. Elle est pas sauvée encore. Ils vont réussir à essayer de soigner. De soigner, normalement ça devrait. Elle avait pas de lit encore, c'est ça l'histoire? Alors ici, on a 11-4.
contre, c'est toi le plus chaud qui est. Toi, vous allez le laisser là tout le temps, le truc, et le mettre ailleurs. On va le descendre. Ici, on a combien maintenant? 5, 3, c'est un poil mieux. On va faire une zone de stockage de réserve pour amener la barbaque ici. Zone très élevée. Tu me fasses tout et tu mets les carcasses ici. Laisse animal. Voilà, le reste, vous mettrez ça dans les étagères. Donc on... Ça remonte encore. Là, il se plaint pas le truc. Ouais, c'est bon, bon, quoi, c'est. Bon, pas du tout pourquoi c'est chaud ici. Le truc, pourquoi c'est chaud là alors que ici c'est pas ici quasiment. Ici c'est vachement frais, je sais pas pourquoi. Zone atelier, alors qu'il y a un éclairage super fraîche. Zone la plus fraîche ici, oui c'est le salon. Pas en sous-sol en dessous. Oh. Ça produit du vêtement, ça. Un peu de bois là. Force. Il va falloir commencer, je pense, à se faire une petite muraille. Peut-être creuser ici, récupérer de l'argile, on se fait un rayon là. Et ouais, je ne sais pas trop là. Si. Ça, je m'en fous. Ici, je comprends pas pourquoi ici il fait le plus froid. Non, pas du tout. Et la carcasse, jamais vous allez la mettre ici. À cause de ça.
Ah. Ok. Merci. Ah, on va créer un goût de fer. Il faut du charbon. J'ai pas le four à un charbon. Pas débloqué. Je peux pas dans sa vie. Ah, monsieur le marchand, viens vers nous. Préparation de repas manquante. Ben on va en faire un, justement, je voulais le décaler à la base. La porte. Non, pas chez nous. Il reste bloqué là-haut. Bon, on étale le marchand. S'il veut pas venir, on va le forcer à venir ici en faisant l'étale. Il y va. À 37 ans de gobeille. Oui. Ok, donc. Ouh, on est censé venir ici. Ouais, là. Sur l'autre partie, il venait quand même au centre, mais apparemment, il faut le reconstruire. Il veut pas. Il vient pas à la base. Un truc que le jeu gère pas par contre. Graphiste, tu peux mettre le limite d'image à 60. Pas du tout, j'ai pas la limite du coup. Il y a des trucs où ils sont encore en... On voit bien que le jeu est encore en early, qui est un truc un peu bizarre quand même. On a vu qu'il y avait quand même une histoire de cours. Oui, 19.
du coup, là, ça n'apparaît pas. Là, des graines de betterave. Ouais, on va les prendre. Bon, j'ai mis prendre. Un piège. On sent. Est-ce qu'on peut te rechercher? Je vais te demander, t'es bon, tu prendrais, bah. Oh. Est-ce qu'on peut torcher qu'on a pas forcément 22. On se rend positif. On va faire comme ça. Ouais, on va remonter. On va faire un petit peu de nourriture pour animaux maintenant. Et pourquoi vous m'avez foutu les vêtements ici? Retirer. Ah, ici, ouais, différencier trucs de guerre, habillement, les armures, les vêtements classiques. Et ça, oui. On a 11 degrés ici. Faites-moi un peu de voile, parce qu'on va étendre ici, voir si ça prouve. Au niveau recherche, ça va. Allez, du récolte et tout. Bon, ça stocke bien en bas. Toujours ici qui est le plus frais. Allez, faites-moi du bois. Alors, ça les enferme, du coup, je vais péter. Le temps. Que je vais péter. Et les murs. Non, si. Ah, là, le mur, c'est bon aussi. C'est bon. Continuer. Bon, ok. On va le faire manuellement, je crois. Parce que...
Complétez-moi ça. On va refaire la zone de couverture. Bon, maintenant on devrait pouvoir reconstruire notre tour. Trop large, hein, c'est bien d'utiliser les poutres. Ça passe ici. Une autre poutre comme tout à l'heure. Voilà. Du coup, ici, c'est pas mal. On va pouvoir creuser. Non, ça, en bois. Allez, les gars, au boulot. C'est un peu ce qui fait quelque chose. Un petit cerf adulte. Non. Je... Encore aussi. Hein. Allez, finissez-moi le toit qu'on voit. Fait... Et donc, il y a... Ça fait plus... Ah, okay. Ah, ça c'est refermé. 7-7. Eh bien, 7-7, moi. Où c'est mieux cette affaire? Mieux. Quand je descends, du coup, j'arrive à combien? 5-4. Le renard, ils ont bien voulu le foutre. Bon, on commence à avoir une zone de stockage intéressante. On va refaire le tour. Tempête de grêle, allô ça. On peut lancer la récolte de certains trucs. La casse.
Bon, on commence à avoir une petite base sympa. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on commence à construire, vraiment des défenses. On va utiliser la zone. Parce que on va faire un fossé. On va faire un truc. On va le faire. Passer. Déjà beaucoup. Ici. Et on va faire les entrées. Ouf. En bas et en haut. En bas et en haut serait pas mal, non? Une autre porte ici et une de l'autre côté. Deux entrées, on mettra des passerelles pour les archers et tout, ça sera pas mal. On laisse encore un peu de place pour construire cette ration. On va les faire creuser tout autour, comme ça, récupérons de l'argile au reste. Il fera un autre fossé en même temps. Ah non, ce sera. Ok. Alors faire un gros boulot, mais portant la confiance. Ça évitera de perdre des gens pour rien. Et ça va commencer à piquer les attaques de toute façon. On a beaucoup d'argile qui traîne. Ah ouais. Enfin, c'est pas tout, mais ils vont déjà pouvoir construire assez vite avec. Voilà. Moi je. On fait. Ah, du fer ici. Récupérons le fer. Et pas du sel, ça. Sel. Ouais, ça avance bien. Hein. Alors ici, il faudra faire une porte en fer, mais on n'a pas de fer. Neuf, ouais, ça va. Alors justement, en parlant de fer, où est-ce qu'il y en a donc? On a plus en main des ans.
faire quand même. Non, s'il n'y a pas de fer. On va peut-être faire une sonde, des sondes ici, on va voir s'il y a du fer quelque part. Par ici, il y a un petit peu là, donc peut-être qu'il y a du fer là. Sinon, ferreux. On va voir. Pour la nourriture pour les animaux, on a ce qu'il faut, on est tranquille avec le foin. Oh, bah on a récupéré une vache. Alors, des fois, tu sais pas trop. Il y a des vaches comme ça qui apparaissent dans ton enclos. T'as rien demandé. T'as pas mis à apprivoiser, rien du tout. J'ai eu ça pareil sur, à mon avis, leur truc. Ça, c'est le dernier truc qu'ils ont rajouté. Je suis pas sûr que ça soit bien au point. Je sais pas d'où sortent les vaches. Et moi, j'ai rien demandé d'apprivoiser en faune. Pas des vaches, en tout cas. Je sais pas d'où sortent. Ça apparaît tout d'un coup, comme ça. Tant mieux, hein. C'est pas mal, là. On est pas mal, hein. 6, 4, 12, hein. Donc en bas, il doit 4 observation. Hein? La viande, là, on est où? 31 jours avant que ça se décompose. Jours avant que ça pousse. Donc c'est plutôt pas mal. Ça me fait une autre zone de stockage, ou peut-être qu'on fera, je sais pas ce qu'on fera, on verra. En faire plus. Hein. Non, c'est tout le temps que tu. Ok. Tout le temps aussi. Là, bah, pour le moment, il faudra. On n'a pas trop de fer encore. C'est bien, ils ont bien bien avancé là. Il m'en reste encore un peu d'argile. Il y a tout ça là qui traîne, sinon. Parce que, au fur et à mesure qu'ils font fossé, ils tombent sur de l'argile, donc pas très bien. Du coup, il va être important de faire nous. Est-ce que je peux les positionner sans. Est-ce que je peux les faire monter comme ça directement sans leur faire une autre passerelle à côté? Il faut que je fasse vraiment une autre zone à côté pour pouvoir monter. Ou si je mets juste l'escalier, ils sont capables de monter et se mettre au. Je teste. Un escalier comme ça et je vais voir si j'arrive à les faire grimper vraiment que je fasse une autre passerelle.
Pas mal là. Encore. Le fossé se fait gentiment tout autour. Ça, on analyse les. Non, par les entrées. Quelques pièges de chaque côté. Ouais, je suis peut-être un peu juste. Bon petit champ de groseille, un bon champ de lin, du chou, il y en a aussi, de la betterave. Une petite plantation. Toujours à récupérer des graines de pommier. Alors j'aimerais bien qu'ils construisent par contre ça, que je vois si je peux faire monter directement les gars ici. Si je suis obligé de faire ma vie. Oh bah il y a le barbac, hein. Ah mais chic. Ah, le tel de bague en arrêté. Bon, si je croyais pas là ça. La viande, ce serait bien de mettre ça dans ses lits quand même. Alors, viens là. Est-ce que je peux te mobiliser, te faire monter directement là? Ah ouais, ça marche nickel. Pas besoin du coup de faire une autre zone pour faire accès. Non, ça marche là ici. Ah, ok. Oh, bah voilà, c'est bon, je sais. Alors. Si c'est pareil, on va faire un escalier. Colis, ça serait. On verra les attaques, on pourra mettre nos petits potes archers juste ici. Par contre, le rendu là, il est bizarre. Pas très joli, hein, mais c'est de l'argile. Hein. Pas la meilleure protection, mais c'est ce qu'on a en grosse quantité pour le moment, donc très bien à faire. Aussi, ça. Bon. Pas la priorité. Non. Plus. Ils finissent déjà. Non, mais le renard, ça va, je suis en train de. Un renard, une bestiole qui vient chez nous, c'est pour ça aussi qu'il faut fermer. Ça récolte déjà. Ça, limite, j'ai bien envie de la transporter ici, c'est là. Ouais, ça, réserve de guerre. Ouais.
Voilà. On va faire une petite modification. Matériaux bruts. Ici. Très bien. Branchage bois aussi. Le charbon, je sais pas. Maintenant, le but, on va le laisser là. On la décharge. Va les retirer d'ici. Tout ce qui est habillement, on va les mettre ici aussi, ça là. Voilà. Et on va virer ces autres. Là, tout ça sera protégé. Un petit peu. Au niveau bois là j'ai oui. Ramène 9. Il n'y a que 19 bois dans tout ça, dans 329. Ah, j'ai pas lancé la culture d'orge. Orge ici? On n'avait pas donc. Pas lancé. Hop. Pour être autosuffisant, hein, c'est bien. Niveau bouffe, ça va. Il commence à avoir nos défenses. Ok, bah écoutez, on va se laisser là pour ce matin et on continuera cet après-midi notre petite aventure. Merci d'avoir assisté au stream. Merci à ceux qui arrivent un peu plus tard. Je vais vous souhaiter un bon week-end et on se dit à bientôt. Bye bye.